Bienvenue à vous tous. 7h35, vous êtes à bord de Bonjour PPC. Réaliser le contenu d'un podcast, vous en aviez rêvé. Réaliser le contenu d'un podcast simplement à l'aide de votre propre téléphone, vous n'osiez absolument pas l'imaginer. Choisir un thème de podcast, intervenir en temps réel au cours de sa diffusion, c'était du domaine du fantasme. Oui, nous y sommes. Vous y êtes. C'est maintenant chose possible avec Bonjour PPC, votre rendez-vous quotidien chaque jour de la semaine sur Twitter. Ici, ce n'est pas 5, 6 ou 7 auditeurs qui sont sélectionnés, qui peuvent prendre la parole. Non, non, non. Ici, tous les participants au direct ont la parole. Vous pouvez tous exprimer votre point de vue, tous partager votre expérience, tous donner votre avis. Bref, on est tous ensemble. Nous sommes en temps réel et nous sommes en direct et en audio sur Twitter. Et puis si vous nous écoutez en replay sur les bonnes plateformes telles que iTunes, Google Podcasts ou Spotify, ben, merci de votre écoute en replay. N'hésitez pas à partager, mettre quelques étoiles, quelques commentaires sympathiques. Et puis si vous voulez intervenir, ben, c'est en direct. Ça se passe sur Twitter chaque matin, 7h35, du lundi au vendredi. Le thème du jour, il nous a été proposé vendredi dernier. C'était par Baz Monkey et par Benjamin, ça s'appelle la transformation digitale de l'industrie musicale. Et oui, la transformation digitale de l'industrie musicale. On va en parler, et oui, et puis on va faire un petit peu d'historique tous ensemble. Avant tout ça, bienvenue à vous tous, bonjour mes amis, bonjour à ceux qui sont présents. On va souhaiter un bonjour à Isladis, au modérateur Patrick Massiot, au modérateur Jean-François Jagle, à la fatigue étant la place, merci pour vos partages à vous tous. Je vois Laura, bonjour JP Blog, bonjour Guillaume Doom, et bonjour Patrick, il est là, salut à tous. Pierre est dans la place aussi, bonjour à toi, bonjour à vous tous, ça fait vraiment plaisir. Et Cécile et Raphaël, il y a du people aujourd'hui. N'hésitez pas, vous pouvez partager sur Twitter, et puis vous abonner aussi, voilà, si vous voulez. Alors, un peu d'histoire par rapport à cette transformation digitale de l'industrie musicale. Alors, on va faire un saut dans le temps. On va remonter à 1948. C'est en 1948 que la maison Columbia presse le premier 33 tours. Il s'agit de l'enregistrement du concerto 64 de Mendelssohn par Nathan Milstein et l'orchestre philharmonique de New York. C'était sous la direction d'un certain Bruno Walter. Alors, l'évolution des supports, ben, il s'agit de voir un petit peu ce qui se passe. En 63, Philips lance la cassette audio enregistrable. Vous savez, cette cassette audio avec une petite bande marronasse, ouais, magnétique, ben, c'était ça. Et on est donc dans les années 63, début des années 80, les revenus de l'industrie musicale se mettent à stagner. Tiens, en 1982, Sony et Philips lancent le CD, le compact disque. Oui, vous vous en rappelez, vos premiers compact disques, on en parlera tout à l'heure dans vos souvenirs. 1988, le fait de represser quasiment tous les catalogues de musique fait exploser les revenus des maisons de disques. Vive la technologie! Les financiers des maisons de disques se frottent les mains. Ils font un fric pas possible. C'est fabuleux. Vive la nouvelle technologie, ça va changer la vie. 1990, le business du vinyle devient marginal. C'est le CD qui occupe tout le marché. La numérisation des catalogues assure des profits faciles. De 1993 à 2003, Napster, Gnutella, Casa, Morpheus, eDonkey restent les seules offres pirates du marché et elles occupent une place laissée vacante par les maisons de disques faute d'alternatives légales. Courant 1995, les premiers fichiers MP3 commencent à fleurir sur le web. En 1999, le piratage devient un sport mondial. Les maisons de disques font tout pour le stopper et mettent trop de temps à proposer une offre légale. La consommation de MP3 a gagné. En juin 2000, Apple rachète une boîte qui s'appelle Soundjam. Steve Jobs s'investit personnellement pour transformer le logiciel en un produit Apple. Ça s'appellera iTunes. Eh oui, les majors de la musique ont sous-estimé l'importance du MP3. Il faut attendre 2001 pour avoir les premiers services légaux par les maisons de disques. En février 2001, Vivendi, Universal et Sony s'associent dans une plateforme qui s'appelle Pressplay. En avril, BMG, Warner, EMI et Real Networks forment MusicNet.
Steve Jobs présente l'application iTunes en janvier 2001 à la Macworld avec un slogan désormais célèbre, Rip, Mix and Burn. Octobre 2001, lancement de l'iPod. Un succès phénoménal, l'iPod représente début 2002 près de 20% des baladeurs disques durs dans le monde. 20% en quelques mois. 2007, Deezer, le français, le Frenchie lance la première plateforme de streaming musical. Les majors lui cherchent des noises, on veut le faire couler. Et pourtant, ça, Deezer sera encore là aujourd'hui. Le vinyle reprend maintenant des couleurs. 2012, les ventes de CD sont en retrait de 60%. Elles se cassent la gueule. 60% par rapport à 2002. Les CD sont bradés à 5 euros. On trouve des prix terribles, ça vaut plus rien. La matérialisation de la musique est en train de perdre ses parts de marché. Les CD sont bradés à 5 euros. Le vinyle fait par contre x2 par rapport à 2007. Vous avez vécu tout ça? J'ai essayé tout faire dans les temps. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont aidé pendant tout le week-end à m'envoyer des informations. Je voulais remercier notamment Patrick, Jean-François, Laura, Jean-Emmanuel pour votre aide. Voilà, la room a bien bossé. Et oui, la room a bien bossé. Effectivement, merci parce que c'est cette room qui est magnifique. Alors, on va continuer. J'ai de la chance, je suis pas dans le métro. Cécile n'est pas dans le métro. On voit ça. Alors, j'ai trouvé un truc sur le site de Conflict Arts. C'est tiré d'une BD du site The Hot Mill. Comment faisait-on avant 1999? Alors, le public dit « Oh, j'aimerais bien réécouter cette chanson ». L'industrie musicale lui dit « Stop, tu dois payer ». Comment on faisait en 1999? Napster, c'est gratuit, on y va. L'industrie musicale répond, mais ils sont où mes 17,99$ par album? L'artiste, mais ils sont mes 23 cents par album. Et oui, le ratio rémunération de l'artiste par rapport au prix de vente distribution avec TVA est assez énorme. Comment fait-on maintenant? iTunes, un morceau, c'est 99 cents. Spotify? Un mois de musique, pas de problème, 9,99€. YouTube, votre vidéo va commencer après la pub, 15, 14, 13. L'industrie musicale dit, venez voir vos artistes préférés sur scène, ça vaut seulement $175 la place. Comment pourrait-on enfin fonctionner bientôt? Le public pourrait dire peut-être à l'artiste, j'adore ce que tu fais, est-ce que je peux télécharger tes titres? L'artiste lui répondrait, bien sûr, c'est $5. Le public, cool, l'industrie musicale sniff, je suis désolé, reviens l'artiste, je double mes revenus, je double tes royautés, 46 cents par album. Cette BD, elle est assez extraordinaire, je vous conseille d'aller la voir, c'est assez formidable. Les leçons à tirer. Alors si on prenait un peu de recul et on se tire, les leçons de cette transformation digitale. Je pense que c'est, premier point, dans un secteur d'activité, il est difficile de sentir une disruption sur un marché qui se portait bien. La rentabilité grâce au renouvellement des discothèques personnelles avec le CD a finalement mis un vaste écran de fumée et les maisons de disques ne se sont pas rendues compte qu'elles étaient en train de se faire disrupter. D'ailleurs, on pourra parler peut-être de l'erreur de la proposition de valeur. Il est dans le nom même, s'appelait maison de disques. On n'a pas dit que c'était des maisons d'artistes, non, c'est des maisons de disques. Donc quand on met ce nom-là, mécaniquement il se passe quelque chose, on est focalisé sur le vecteur. Or, dans un cas de dématérialisation du vecteur, c'est un peu malin de s'appeler maison de disque quand il n'y a plus de disque. Voilà, donc ça c'est déjà une erreur. Après, il y a une tentative de blocage du marché. Vous savez, on se sent attaqué, donc on va essayer de se mettre en travers. Voilà, de se mettre en travers du marché, de bloquer les pirates. Alors en plus, c'est compliqué parce que les pirates, c'est aussi les clients. On va essayer de bloquer toutes ces plateformes de technologie qui sont en train de nous manger le marché. Une règle, je pense, à se donner. Quand on parle digital, un truc très important, c'est si vous essayez de vous mettre en travers de la technologie, c'est une erreur fondamentale. Le digital, ça contourne tout, ça passe partout, c'est comme l'eau, le sable, le vent. Et puis les pirates sont vos clients, donc c'est un peu compliqué. Le temps de se mettre d'accord avec les parties prenantes du métier, le marché a encore changé. Voilà peut-être les règles qu'on pourrait trouver. Comment ils s'en sortent, comment ils reviennent. Finalement, peut-être en travaillant un peu plus sur leur proposition de valeur et un peu moins sur leur canal de distribution classique. Ce ne sont plus des maisons de disques. Leur rôle finalement n'est-il pas de proposer une vraie valeur ajoutée à nous tous, en sachant détecter des talents, en les mettant en scène et faisant en sorte que ces talents puissent rencontrer leur public. Intéressant.
Alors on va reprendre un petit peu des commentaires. Avant 10h, il y avait radioblog.com pour streamer de la musique. C'est Raphaël qui nous dit ça. Il y a des artistes qui laissent, c'est Cécile qui nous dit, il y a des artistes qui laissent les fans faire du pay as you like. Très très bon. Jugo France nous dit le niveau MP3. Le MP3 niveau qualité 128 kilobits, c'est vraiment très bas. Certains ont de la merde dans les oreilles. Oui, c'est pour ça qu'Apple avait sorti le format AAC, voilà, qui était bien compressé, mais avec une qualité qui était au-dessus. Convertisseur MP3 nous dit Patrick, MP3 YouTube Revolution. Oui, Cécile, oui, Raphaël répond à Cécile en disant oui, Radiohead l'avait fait au milieu des années 2000 pour un album. Ouais. Mathieu nous dit les pirates ont poussé au changement de l'industrie de la musique, oui. Laura nous dit comme quand les opérateurs historiques protégeaient le cuivre, exactement. Chénard nous dit les pirates sont ceux qui dépensent le plus. Exactement, voilà. Merci à toi Raphaël d'avoir précisé à Cécile, c'était Radiohead, on va en parler encore. Alors, Cécile nous dit, je vais juste vous parler de mon expérience, je suis une grosse consommatrice de musique en format CD. Avant l'arrivée du digital, j'en avais des tonnes, un peu comme nous tous, j'écoutais beaucoup la radio pour découvrir et acheter après. Avec l'arrivée du digital, j'ai arrêté d'écouter les radios musicales pour aller sur le streaming et du coup, j'y ai perdu la fidélité à certains artistes pour être une zappeuse en permanence, en renouvellement de ce que j'écoute. Le digital côté artiste a sans doute permis l'émergence de beaucoup d'artistes qui n'auraient jamais pu le faire sans. Jean-François nous dit, est-ce que vous vous souvenez d'avoir créé sur des cassettes BASF 60 ou 90 minutes des enregistrements de vos vinyles préférés ou des chansons écoutées à la radio? Oh que oui, moi oui, je me souviens, enregistré, on avait des enregistreurs, on appuyait sur record et play en même temps pour pouvoir enregistrer les sons autour de nous. Mathieu nous signale que la chanteuse Suzanne Vega et son titre Tom's Diner, c'est son deuxième album. C'est en quelque sorte à l'origine de la musique dématérialisée. Pourquoi? Alors, est-ce que c'est une légende? Je ne sais pas. Visiblement, c'est Kersais Branderburg, le père du format MPEG Layer 3, plus connu sous le nom de MP3, qui a dit face à cette chanson a cappella, je savais qu'il serait presque impossible de compresser cette voix chaude a cappella. Et donc, ça l'a amené à créer et à améliorer le format. Chénard nous dit une anecdote sur le CD. À la base, le CD devait être 3% plus petit, mais ils se sont rendus compte qu'il ne pouvait pas stocker, avec la dimension prévue, l'intégrale de la 7e symphonie de Beethoven. Donc, ils ont augmenté la taille. On parle un peu de chiffres clés, ça vous dit ou pas? Alors chiffres clés, on va prendre des chiffres clés qui nous proviennent du SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique. Là encore, le phonogramme, c'est quand même curieux d'avoir un nom pareil. Certes, il y a de l'histoire, mais c'est plus le sujet, quoi. Il y en a qui s'appellent des maisons de disques, le vecteur a disparu, et les autres s'appellent phonogramme. On est bien parti avec ça. Les ventes numériques dépassent maintenant les ventes physiques. Le numérique streaming et téléchargement, c'est la première source de revenus du marché. Il représente 62,7% du chiffre d'affaires total. Ouais, c'est 153 millions d'euros, en hausse de 16,2%. Les ventes physiques, quant à elles, les ventes de CD, de vinyle, sont en baisse de 12,8%. Depuis juin 2015, le nombre mensuel d'écoutes en streaming a été multiplié par 3,6. Autre chiffre. Très belle journée, merci Cécile. L'IFPI a publié en octobre le panorama 2018 de la consommation de musique dans le monde. En moyenne, nous écoutons 17,8 heures de musique par semaine. Le streaming a gagné la partie. 86% d'entre nous écoutent de la musique grâce à un service de streaming à la demande. Et oui, et alors, un phénomène assez intéressant, puisque cette étude est mondiale, je vous conseille d'aller la voir, c'est l'étude IFPI, et vous la trouvez sur votre navigateur préféré, votre moteur de recherche préféré. Nous sommes attachés à la musique de notre pays. 69% des Français écoutent de la chanson française. 66% des Japonais écoutent de la J-pop. Et 55% des Brésiliens écoutent la música popular brasileira, la musique populaire brésilienne. Près de la moitié du temps d'écoute de la musique à la demande est effectuée, je vous le donne en mille, sur YouTube, le deuxième moteur de recherche au monde. Bien sûr, la violation des droits d'auteur et des droits voisins reste un problème majeur. Plus d'un tiers des consommateurs, 38% exactement, accèdent à de la musique par des voies illicites. Notamment le stream ripping étant la pratique la plus répandue, 32% des consommateurs l'utilisent et 47% des 16-24 ans. Mais si plus personne ne veut payer, comment allons-nous faire pour rémunérer les artistes? C'est peut-être de pair à pair, peut-être en direct, mais il va falloir les aider à se faire connaître parce que c'est quand même assez compliqué.
On continue. Alors, c'est notre ami, alors je vais regarder son profil parce que c'est Yann Jaillet. Yann Jaillet nous dit, il est probable que la consommation musicale est plus importante depuis son appropriation par la tech. C'est bien possible. Bass Monkey nous dit, les vinyles repartent en force, Sony relance la production, le CD va disparaître. Oui, c'est pas faux. Alors, ça vous dit de voir à peu près la répartition. Alors, Big Data, tiens, on va parler de Big Data. On va parler de la SACEM. La SACEM a traité en 2017 plus de 1000 milliards de données d'utilisation de musique en ligne. Et ça, ils traitent cette donnée afin de répartir individuellement les droits aux créateurs. Les droits d'auteur, un record, 9,6 milliards de dollars de collecte dans le monde en 2017. Sachez que YouTube a reversé 3 milliards de dollars des ayants droit via sa petite pépite technologique qui s'appelle Content ID. Vous savez, ce petit moteur qui repère que la musique appartient à certains ayants droit. 2% des artistes, ah oui, ça c'est important, 2% des artistes emportent 95% du marché. Waouh, c'est quand même chaud, non? Deux nouveaux formats nous signale Patrick, deux nouveaux formats audio, le MQA et le FLAC avec des nouveaux types de lecture de musique en haute définition. SACEM est-elle en danger avec la blockchain, nous dit Linda. Pourquoi pas? Ça peut se regarder, ils ont pris de l'avance, peut-être qu'ils vont eux-mêmes utiliser la blockchain pour pouvoir faire leur boulot. Raphaël signale à Massio, le FLAC, c'est pas nouveau, ça fait des années que ça existe. Yes! Alors, les acteurs en présence, quelle heure il est? 51, on va aller très très vite parce qu'il va falloir que vous commenciez à me proposer le thème pour demain. Vous le savez, le principe, c'est bonjour PPC, c'est vous qui proposez le thème du lendemain. Donc allez-y, lâchez-vous. Pendant ce temps-là, je continue avec quelques acteurs en présence. Apple Music serait passé à 34% de part de marché mondial du streaming musical en abonnement payant en Q2 2018. Bon, il en reste encore sous la pédale, hein, puisque Apple pourrait se développer, puisqu'il ne compte actuellement que 45 millions d'abonnés sur les 780 millions d'utilisateurs d'iPhone actifs. C'est à peine 6% de pénétration de leur base d'utilisateurs. Donc ça veut dire qu'ils en ont sur la pédale. Spotify est leader, il contrôle aujourd'hui le marché du streaming musical avec une part de marché d'environ 62%. Et puis il y a un petit qui arrive, ça s'appelle YouTube. YouTube Music, voilà, ça vous coûtera 9,99€ par mois. Voilà, et puis pendant que YouTube Premium, qui s'appelait avant YouTube Red, permet d'aller voir des vidéos pour 11,99€ par mois. Un autre acteur arrive et il ne laissera pas faire. C'est Amazon avec Amazon Music. Alors là, les prix sont très agressifs. Le catalogue est certes un peu réduit pour l'instant, mais ça va cesser d'augmenter. Ils sont à 3,99€ par mois, Amazon Music. Et puis il y a le développement des enceintes connectées. Ce marché va grossir. Et donc, si vous vous appelez Google, si vous appelez Apple, si vous vous appelez à Amazon avec Alexa, par exemple, eh bien, vous allez être le canal d'entrée pour la musique, la plateforme. C'est pour ça qu'ils s'y mettent tous. C'est-à-dire que c'est le device qui va vous permettre de rentrer sur le marché de cette musique. Donc, plus vous détenez des parts de marché fortes, plus vous allez pouvoir contrôler le business de ce marché. Les nouveaux opérateurs, il y a Tidal et Napster. Ouais, pas les... Alors, certains sont ressortis avec deux albums. Ah oui, alors ça, c'est sympa. Jean-François nous signale que l'album de Johnny Hallyday était disponible en streaming ainsi qu'à la Fnac à minuit. Le dernier album, vous savez, il y a une chanson avec le diable là-dedans. Certains sont ressortis avec deux albums, un pour la voiture, un pour la maison. Jean-François nous dit qu'il a compris qu'il souffrait d'électronisme. Électronisme, ça pourrait être un thème, en fait. L'électronisme, ça pourrait être un thème. On continue. Mes amis, il est quelle heure, là, ici? 7h53. C'est l'heure de faire un peu le point. Alors, on en a laissé, il y en avait plein sous la pédale. Alors, ça va faire un petit peu le point sur le thème de demain. De quoi allons-nous parler demain tous ensemble? Comme chaque jour dans Bonjour PPC, c'est vous qui proposez le thème du lendemain. On en a un peu sous la pédale, vous voulez voir de quoi on pourrait parler? On y va. Alors, nous avions comme thème l'intelligence artificielle et la littérature. Tiens, ça c'est un sujet pour un vendredi, podcast. Ça pourrait être assez pas mal. On a comme sujet le Miracle Morning, l'électronisme. On a la méthode Scrum. Ah ouais, la méthode Scrum, l'agilité. Si ça vous branche de parler d'agilité et de méthode Scrum, de méthode agile. Le design thinking appliqué en entreprise. On a parlé de design thinking la semaine dernière, mais il y avait un thème durant notre échange, durant notre discussion, qui était et si on parlait du design thinking appliqué à l'entreprise.
Alors, on continue, il y avait la télémédecine. Ah ouais, un petit sujet sympathique sur la télémédecine. On voit bien notre sujet. Ce que Twitter nous a apporté. Ce que Twitter nous a apporté. Bass Monkey nous dit l'intelligence artificielle et la littérature. C'est pas mal, ça. Ça peut faire un bon thème aussi. Alors maintenant, c'est vous qui votez. On continue, je regarde un petit peu ce que j'ai dans la mallette. Il y a la data, bien sûr, ça date un peu trop large d'ailleurs. On avait plein de sujets. C'est vous qui choisissez dans Bonjour PPC. Comme d'habitude, une fois que le thème est choisi, nous avons 23h30 tous ensemble. Donc, vous n'hésitez pas par message privé sur Twitter à envoyer vos points de vue, votre vue de presse, ce que vous en pensez, ce que ça vous inspire, des cas d'usage, de l'expérience, ce qui nous permet de préparer le contenu du lendemain. Et on est dans l'interaction tous ensemble. C'est le premier podcast collaboratif et on va rester là-dessus. Alors, l'électrolyse, trop bien, nous dit bonne idée que l'électrolyse, la facture numérique, électronisme. Ah, c'est pas mal. Ouais, je crois que Jean-François a remporté le morceau. Qu'est-ce que vous en pensez? On vote pour le thème de Jean-François. C'est parti. Vous êtes OK pour ça? La fracture numérique. Ouais, c'est pas mal la fracture numérique. AI littérature, nous dit Linda. Alors, ça nous en fait des thèmes là. C'est vous qui choisissez. Je vous laisse choisir. C'est la beauté du truc. On y va. Battez-vous. Soyez forts. Vendu pour l'électrolyse, ça vous va? La room, qu'est-ce qu'elle en pense? Ma fantastique comité de rédaction, il est où? Qu'est-ce qu'il en pense? L'électrolyse, c'est parti pour Laura, c'est parti pour Corinne, l'électrolyse pour Massio. Bravo Jean-François, vous avez emporté le morceau, c'est magnifique. Ok pour le thème de Jean-François, merci Guylaine, merci d'être là, bienvenue à vous tous. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner sur Twitter. Et puis ce soir, vers 19h, vous aurez le replay de ce live. Il sera disponible sur iTunes, sur Google et sur Spotify. Selon votre plateforme, n'hésitez pas à vous y abonner, à mettre des petits commentaires sympathiques, quelques étoiles. Ça fait toujours du bien. Voilà, c'est sympa. On voit des chiffres ici, oui, parce qu'il y a quand même le rendez-vous un peu spécial chaque jour de la semaine à la fin de chaque émission. On fait un ROTI, le Return on Time Invested, c'est-à-dire que si vous estimez avoir perdu votre temps, n'avoir rien appris et vous avez trouvé que c'était vraiment waste of time, vous mettez 1. Si vous dites c'est génial, je veux recommencer, ça m'intéresse d'être là demain, vous mettez un petit 5. 5 pour le choix du sujet, nous dit Jean-François. Voilà, 5 pour Laura, merci. On a 5 pour Massio. On a qui c'est qui nous a mis encore des notes? Il y a 5 pour Chénard. On reprend, voilà, ben on est à peu près bien, c'est bien. Donc on recommence, on se retrouve demain, ça vous va? 7h35, même heure, même horaire. Voilà, donc on va essayer de le démarrer. 7h35, merci beaucoup pour vos retweets. 5 pour Guylaine, merci. On se retrouve donc demain pour vous tous. CBG, il est là, donc on se retrouve bien évidemment demain. Tous ensemble, tous de bonheur et de bonne humeur pour ce Bonjour PPC qui sera spécial électronisme. C'est pas mal l'électronisme. Merci Michel aussi. Alors on va tiens, hop, voilà. Enregistrer votre playlist en mode hors connexion, décollage immédiat. Ça c'est notre ami Jean-François Jaille qui nous dit cela. Et oui, il y en a qui prennent leur bagage. Sophie Amorose, bonjour Sophie. On se retrouve demain. Merci, merci Yann d'être passé. C'est sympa. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Vous pouvez faire un dernier petit truc. Si vous ne l'avez pas encore tweeté, vous pouvez retweeter ce podcast. Voilà, comme ça on sera encore plus nombreux à interagir tous ensemble. C'est le principe de l'interaction, c'est le principe de la collaboration et c'est le principe sur ces thèmes de transformation numérique de l'éco-construire tous ensemble. Merci si tu avais... Eh ben oui, c'est ça. Hop, voilà, on se fait avoir. Il y a quelques robots qui passent par ici, mais c'est pas grave. On les nettoie, vous tous. Merci pour vos retweets, c'est sympa. On est parti. Merci Laura, je vous souhaite une très très belle journée. Il semble qu'elle soit pluvieuse sur Paris, ça nous préparera peut-être des week-ends champignons. On vous souhaite une belle journée aussi dans le Var et ailleurs, ainsi qu'à Bordeaux, ainsi que pour tous ceux qui sont partout en France. Merci mes amis, à très bientôt, à demain, ciao ciao, 7h35 sur Twitter en direct.